Nous allons voir mon exposition 2003. Et voici ces deux beaux tableaux que je préfère, c'est des tableaux magnifiques. Je
suis très contente d'être venue voir les œuvres d'art de Bernard, voilà, et d'être avec vous. Je vois des belles choses alors, que je vais pouvoir explorer. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas s'empoisonner. Pas se refaire avec. Ça, elle est du fort en fait. Quand je l'ai vu, en fait, je me demande dans quel sens il était. Il est joli celui-ci. Oui, il y a encore, moi je me dis que les cadres, oui. Je me suis dit, attends, là, il faut que je réagisse et tout, et tu vois, là, mais en plus, parce que la... Pardon. Alors, Richard, oui. Ce tableau. Très bien, mais évite de me filmer parce que je ne supporte pas. Voilà, tu es grand que moi. Le sable. Le sable, largement. Centimètres. Alors comme on l'a dit, il est très important d'une part d'innover, toujours de se renouveler, c'est important. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien, mais moi j'aime bien ce style de personnage et tout. tu fais des scènes courtes, tu sais, qui coupent après. Alors que penses-tu des films, des tableaux? Moi j'aime bien. Ils sont jolis. Ouais, ils sont jolis, on peut dire. Mais que tu préfères de tous? Mais je crois que c'est les deux là. C'est vrai qu'ils sont beaux, oui. Oui. C'est quoi la question? Comment trouves-tu ces tableaux? Alors moi j'aime bien, ouais, je trouve ça bien sympathique et tout, c'est bien joli. Il y a quelques bonnes expressions et tout, et j'aime bien celui-là là-bas, avec la fille. Oui. En garder une de côté, tu sais, pour chez moi. Pour, 16. Voilà. Il est bien chaud et tout. Voilà. Fais gaffe tes questions, c'est tout, parce qu'après tu peux pas les couper. Alors comment tu trouves le tableau numéro 12? Bien. Regarde-le là. Ah, votre beau, il est beau, oui. Ah oui, il y a un contre-jour là. Bon. Eh bien, je suis très content de cette exposition qui a été bien réussie.